Monsieur le Premier ministre, entre cette hécatombe de militaires et l'empoisonnement irréversible au mercure des populations amérindiennes, votre gouvernement est-il prêt à prendre la mesure de cette guerre qui ne porte pas son nom pour engager enfin des moyens qui soient proportionnés aux enjeux de maintien de notre souveraineté nationale ? Harpie est probablement l'une des missions les plus exigeantes que réalisent nos militaires aujourd'hui. Elle demande beaucoup de courage, beaucoup de résistance et beaucoup d'endurance. En 2018, cette opération, ce sont 1323 patrouilles conjointes avec la gendarmerie. Ce sont 4000 jours de patrouille, c'est-à-dire environ 11 patrouilles par jour en moyenne. Et ce sont des résultats en forte amélioration, puisque 765 sites ont été détruits, c'est-à-dire 150 de plus que l'année précédente. Voilà quelques éléments concrets de ce que nos soldats font chaque jour. Leur dévouement force le respect et ils nous obligent. Merci.